Et les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Alors, c'est une, on va dire, c'est une pèse-personne que j'ai depuis très longtemps et j'ai pas eu le temps de déballer ou d'utiliser suite à mon déménagement. Donc, j'ai retrouvé ça dans les cartons. Je me suis dit, bah tiens, on va se lancer. C'est un produit donc que j'ai acheté sur Lidl. Je sais que les produits de Lidl sont très bons, notamment la garantie de 3 ans, qui est quand même pas négligeable. Donc, c'est une pèse-personne impédance-mètre en verre. Donc, on peut regarder sur l'emballage, en fait, elle mesure en un clin d'œil, donc, et que vous soyez une indication de votre poids, de la masse graisseuse, de la masse hydrique, de la masse musculaire, de la masse osseuse et des besoins caloriques. Donc, utilisateur mémorisable avec reconnaissance automatique de l'utilisation, 5 niveaux d'activité. Donc voilà, vous avez une connexion Bluetooth. Il y a une application. Donc, c'est la Sanita Smart. Voilà, c'est Coach Helsing, contrôle optimal du poids. Application et logiciel à télécharger. Voilà, pour info, je suis en train de filmer avec le Xiaomi Mi Play, le petit téléphone que j'ai reçu de chez, que j'ai acheté, mais j'ai pas reçu, que j'ai acheté, donc voilà, et qui m'a l'air plutôt pas mal au niveau de la vidéo. Alors, donc là, je suis obligé de la mettre par terre, parce que le truc, il est tellement énorme que... Donc là, pèse personne, un pédomètre, ouais, indication. Donc ça, c'est noté comme sur l'avant. Donc là, c'est noté en italien, ou j'en sais rien. Ouais. Del peso, ou en espagnol. Ouais, je sais pas. Et puis bah là, en fait, il vous explique un petit peu comment ça fonctionne via l'application. Et c'est plutôt good. Donc le carton est scellé, on va essayer de l'ouvrir. Voilà. Alors, il y a une petite languette ici. Ouais, je vais chercher mon cutter. Je suis plié en 4. C'est pas évident de filmer comme ça parce que je vous dis, le carton est tellement énorme que je suis obligé de me mettre comme ça. Par terre. Voilà. Alors. Hop. Et voilà. Magnifique. Tout en noir avec un peu de chrome ici. C'est vraiment du chrome. Donc, on a le livret avec. Hop, donc ça on s'en fout. Voilà ce qui a été livré avec. Donc nous avons ici 3 piles de fournis. Voilà. Donc on va pouvoir mettre dessus. Et ça doit être les patins. En dessous, sans doute. Pardon, c'est du direct. Quick Start Guide. Donc là, c'est en français. Donc, démarrer l'application et suivre les instructions. Donc, Healthy Health Coach. Donc, c'est ça l'application. Oh, j'arrête pas de taper dans le truc. Donc, sur une clé USB 70 dans l'application, affecter les utilisateurs à la demande de l'application. Voilà. Donc ça, c'est un Quick Start Guide. Et vous avez ici le manuel d'utilisation. Il va falloir lire, bien sûr, je pense, un minimum. Donc, il y a du français, forcément. Donc, compatible Android 4.4 et plus, mais Bluetooth 4.0. Donc, si vous avez du 3 ou avant... ça marchera pas, et iOS version 8 et au-dessus.
Voilà, consigne de sécurité, ça on s'en fout un peu. Donc là, elle vous explique un petit peu le fonctionnement et les écrans ici. Vous voyez, l'utilisateur. Donc, description de l'appareil, restriction, voilà, mise en service, tu pèses, insertion des piles, installation, du pèse, personne. Alors, on va déjà mettre les piles. Alors, ça, c'est quoi ça? Pourquoi ils ont donné ça? Donc, il y a déjà des patins, vous voyez ici. Pourquoi ils ont donné ça? Là, je comprends pas. Ah, si, ça se met dessus. Mais on s'en fout, on a des trucs antidérapants. Pourquoi vous donnez ça en plus? Vous voyez ici, ça m'intrigue cette histoire là. Alors, pourquoi ils donnent ces trucs? Bien sûr, forcément, dans le guide, ils disent pas. Ces petits capuchons, non, ils disent pas. Hein. Donc, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description, bien sûr. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker cette vidéo et à la partager. Me mettre un pouce bleu. J'en profite. Bon, c'est pas noté. Hein. Bon, bref, on s'en fout. C'est pas grave. Donc là, on va ouvrir les piles. Hop. Je suis plié dans cette position qui n'est pas du tout confortable. Comme je l'avais expliqué. Voilà. Donc la caméra réagit bien hein, de ce Xiaomi Mi Play. Alors il y a trois petites piles hein, dont sont déjà qui sont fournies. Donc des alcalines. Plutôt pas mal. Donc les trois A là, vous savez les petites là. Tac. Et tac. Ferme ici. Mets ça là. Et je mets ça là. Et le tour est joué. Donc là, vous avez un bouton ici, reset pour mettre à zéro. Et là, vous voyez, c'est noté. Donc jusqu'à 180 kg. Donc c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Rien à dire. Donc là, c'est directement allumé. C'est allumé, ça mise sur zéro. Et ce qu'on va faire, donc on va prendre là l'application. Donc on va la télécharger directement. Donc Health Coach. Voilà, Sanitas Health Coach installé. Donc je vous mets également le lien de l'application. Sanitas, j'adore ces produits, ce que je fais un peu d'automédication. Donc j'ai un peu en fait un tensiomètre, des trucs de chez eux, un thermomètre. D'ailleurs que j'ai déjà présenté. Hein. Donc voilà au niveau de l'application. Voilà, votre santé en un seul coin, ouais, pourquoi pas. Suivante. Bon, il faut s'inscrire, hein, forcément. Approbation. Bon, je vais faire mon inscription. Vous voyez, il faut un mail, un code et je reviens aussitôt. La taille, ainsi de suite. Et après, vous arrivez ici, vous voyez, mes appareils. Donc, ils vous donnent la main pour ajouter l'appareil. Donc, moi, ça va être le SBF 70. Voilà, donc, le SBF 70, c'est celui-là. Autorisé, il va activer le Bluetooth, autorisé, l'appareil est appairé, donc ça c'est fait, et là vous voyez, donc après il suffit de vous mesurer, donc ici vous avez les options, vous avez l'accueil ici, vous avez la médication,
Donc, raison de la voilà, désignation, si vous voulez rajouter des tâches, plus synchronisation sur exporter, noter l'application. Voilà, et les paramètres ici, code verrouillage, modifier le mot de passe. Donc, les langues, vous pouvez changer de langue, c'est une, voilà, vous avez toutes les langues d'Europe. Oui. Donc, c'est plutôt, elle est quand même bien faite. Voilà, ce qu'on va faire, on va essayer de se mesurer déjà. Voir comment ça synchronise. Bon, je vais poser ça là. Hein. Poser ça là, c'est pas grave. Je vais me peser directement en live. Je vais voir ce que ça donne. Bon, ça va vous gêner un peu forcément. Hop. Vous voyez, il ne faut pas rigoler sur mon poids. Hein. Donc là, il faut enlever, je fais 88 kilos généralement, il faut enlever 2-3 kilos d'habits. Donc ça, c'est normal. Donc là, ce qui fait que presque ça se synchronise, ça c'est pour tout sélectionner. Hop, on va se reconnecter le point. Date, valeur. Écoutez, comment ça va se synchroniser ça? Alors, donc là, je vais me repeser pour voir ce que ça fait. Ah, voilà, là, ça s'affiche sur le téléphone. Voyez, il fallait allumer en même temps l'application. S'affiche au même temps sur le téléphone. Par contre, il ne se regarde pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc là, il s'est affiché sur le téléphone. Comment ressortir après le poids qui s'enregistre? Là, vous voyez, dès que j'appuie, vous voyez, regardez. Là. Donc, ça s'affiche ce qu'il y a là. Par contre, comment il synchronise ça? Donc, ça, c'est la bonne question. Parce qu'il ne suffit pas plus. Là. Ah, c'est nous qui rajoutons, quel con. Ah oui, on rajoute en fait. C'est nous qui rajoutons. Donc, par exemple, vous mettez. Voilà. C'est vous qui, en fait, c'est vous qui créez vos fiches. Ah oui, je suis con. Donc là, vous voyez, vous êtes pesé, par exemple, vous mettez 91. Donc première pesée, 0. Confirmé. Voilà. Donc après, il vous donne en fait le, voilà, le BMR enregistré. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et vous surveillez votre poids comme ça, il vous donne l'indice. De trucs, l'indice de graisse, les os, ainsi de suite. Et vous regardez après l'évolution. Ici, forcément, c'est la première pesée. Donc, il ne pourra rien vous donner si ce n'est le poids. Vous avez créé une fiche. Demain, par exemple, vous vous pesez encore, vous recréez une fiche, vous mettez la date, et ainsi de suite. Comme ça, il va, en fait, suivre l'évolution, on va dire, de votre poids. Et c'est plutôt good. Pour un prix qui n'est pas très cher, donc je vous dis Sanitas quand même, qui fait des très bons produits, les loulous. Voilà, Walou. Ben écoutez, j'espère que, je pense que j'en ai fini pour ce test de déballage. Je vais pas, voilà, je vais pas. Il faudra que je le teste sur un mois avec plusieurs prises de poids pour voir un peu l'évolution. Et je vous referai un tout retour, tiens, sur le blog ou sur Facebook. Ou dire ce que j'en pense. Mais franchement, il n'y a rien à dire. C'est une très belle pèse personne. Donc,
Rien à dire là-dessus. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu également si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les copains. Bisous, Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus.